Gouvernement américain à travers chargé d'affaires li nan pays d'Haïti déclaré l'a utilisé tous outils pour répondre à crise qu'a saccagé pays en dernier temps sa yo. Parmi les défis qui pour relever, les États-Unis prend à cœur question choléra. Eric William Strohmayer. L'état défis ou yo a pédé ni pour moi ni pour gouvernement États-Unis. C'est peut-être ça n'a utilisé plusieurs outils pour répondre à crise actuelle. Dernièrement, moi j'ai visité des pôles dans l'organisation partenaire New York. Des pôles ça travaillent avec USAID pour non seulement les Haïtiens accès à des médicaments qui sauvent la vie, mais tout pour répondre à l'épidémie choléra. Et puis, les communautés et l'hôpital fournissent des médicaments qui sont nécessaires en pile. Selon chargé d'affaires américain, gouvernement pays dans quatre batailles pour couper épidémie choléra, accompagné ministère santé publique et population dans mobiliser ressources, traiter patients et puis contrôler épidémie même pendant crise gaz la sécurité. Moins reconnaissant pour travail dit gouvernement équipe là cap travail pour renforcer réponse Haïti à épidémie choléra. Moins reconnaissant en pile tout pour centre américain pour contrôle et prévision maladie. Soit CDC, pour effort continuel, yo non pays. Yo c'est plus gros support gouvernement américain, nous, en bail, ministère de santé. Ça qui permet yo mobiliser ressources, traiter patients, yo, et puis contrôler l'épidémie en même pendant crise gaz, avec sécurité ça. Pour si la yo qui parcourt maladie choléra, valait terrain tout bon vrai en d'un pays, diplomate américain, pote message ça. Malheureusement, nous continuons, oui, faux nouvelles. Cyclé sur réseaux sociaux qui dit épidémie choléra pas réel. Créole parle, créole comprend. Lycéons bon genre réalité et pays très dangereux. Bouée de l'eau propre, lavez mayo, bonne hygiène avec sanitation, thérapie, réhydratation orale avec fait traitement bien bonnet. Important en pile. Malgré mauvais jour, peuple haïtien a connu, Eric William Strohmayer montre lui confiant en pile. Haïti prêt à sortir dans la crise, selon ça le déclaré. Les États-Unis et Haïti partagent une histoire depuis longtemps. Et l'histoire, ça a été souvent difficile. Mais c'est vrai que les États-Unis et Haïti, c'est une famille qui est connectée par l'histoire, valeur, la qualité. Ensemble, nous prêt à sortir dans la crise plus fort. Qui résistant à crise prospérité. Chargé d'affaires américain dans Port-au-Prince fait déclaration sa yo dans un message préenregistré dans l'occasion jour action Gaston sanri le Thanksgiving dans pays les États-Unis. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole.